Cette solidarité financière, la fédération peut et doit la poser. Et ça, c'est des actions fortes. Et c'est des forts qu'il y aura. Parce que ces 10 années de comité électeur de la FED que j'ai vécu, qu'est-ce que j'y ai vu? Le comité électeur, on est à dire. C'est que les dirigeants du secteur amateur ne connaissent pas l'entreprise professionnelle. Ils le voient comme le diable, comme le démon, comme l'ennemi de la robe. Mais ça ne savent pas quel bout le prendre. Ça ne savent pas comment apporter un bout de gelade, un Lorenzetti. Ça ne savent pas. Ils savent que ce n'est pas bien, que ça apporte beaucoup d'argent, que ça peut avoir un potage pour perdre, mais ils ne savent pas. Lui, il sait. Lui, il sait, et il sait effectivement, peut-être, il peut être celui qui incarne la réconciliation entre les deux. Donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas un régulateur à financer le régime professionnel, c'est le régime professionnel à continuer à développer et dans une plus grande mutualisation des recettes, à permettre à tout le monde de se développer. Eh bien, le régime professionnel ne peut pas continuer à se développer. Surtout encore une fois réglementairement, la fédération a tous les membres. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, statutairement, c'est comme ça. Non ? Non, d'abord, parce que les finances, par contre, je trouve l'idée de développer le recette très richesse, très fortune. Ça, c'est un axe de développement de chez l'art, notre sport, ça m'a apporté d'autres licenciés. Et j'ai dit, quand on voit les trois de l'homme de recette, ça devrait rentrer là, le recette, ça devrait pas. Oui, ah oui, ah, c'est ça la question. De développer par voir plutôt que de décider à vous. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a des moyens de développer après. N'apportons pas des contraintes. Notre forme disait, il va falloir que j'ai dit, il passait à tout le monde, il fait jouer les espoirs, des trucs. Moi, je suis un jeune, je dis, qu'est-ce que c'est ? Mais qui va jouer ? Ils vont jouer à 15, ils vont jouer à 7. Là, encore une fois, il faut s'asseoir en ville de table et discuter. Et prendre le tour par le temps, on parle beaucoup, c'est pas possible. Quoi. Moi, je ne me vois pas dire, mais il faut que j'ai dit, qui passait. Parce que c'est des espoirs, mais des espoirs, ils vont faire un an, d'autres jouer à 7, contre... c'est pas possible ça. Donc effectivement, le développer par les universités, par les collèges, par les écoles, oui, bien sûr, mais ça, c'est peut-être notre débat. Mais la force du Havre, je le dis, je le redis pour l'avoir vécu. Aujourd'hui, pourquoi ils sont là? Il y a 30 ans, ils sont rentrés dans les écoles. 30 ans, ils sont rentrés dans les écoles. Aujourd'hui, c'est la quintessence de tout ça. Et où aujourd'hui, les grands gabarits, les caravatis, tout le monde, on va parler de la technique, j'en parle pendant 3 heures. On les a plus, ils sont tous là. Parce que là, ils étaient plus mal avec nous. Ils n'avaient pas moyen, ils ont dit chez un jour on veut faire, vous pénétrez là où il y a le maximum de gamins, c'est le collège, c'est les lycées. Donc, ils ont dit la même chose.